j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo vlog, un vlog pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer au mois d'octobre, puisque le mois d'octobre va être très 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 chargé au niveau de mon actualité, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, je veux vous remercier pour tous vos messages de soutien, de réconfort que vous m'avez écrit par rapport au fait que j'ai été malade, dont je ne suis pas totalement remise. Ça s'entend, je pense, avec la voix de Dark Vador que j'ai encore par moment. Mais je voulais vous remercier parce que c'était vraiment très très gentil. Je n'avais rien de grave, mais vous avez été là et ça fait chaud au cœur de voir que vous pensez à moi. Donc merci. Comme je viens de vous le dire, le mois d'octobre va être super chargé. J'ai tout noté ici pour ne rien oublier, pour vous donner vraiment toutes les informations très très importantes. Et on démarre. On commence par un petit rappel qui est le rappel des jours de parution de vidéos, puisque entre ma chaîne perso et la collab, il y a certaines personnes qui se sont emmêlées, qui ne savaient plus trop où aller quand, etc. Donc je vous redis tout ça rapidement. Donc en ce qui concerne ma chaîne perso, j'ai une vidéo qui est publiée tous les mercredis et tous les vendredis à 10h30. Voilà, ça c'est pour ma chaîne perso, donc cette chaîne là. Pour la collab, c'est tous les mardis, puisque je suis le mardi, donc forcément. Et sur mon blog, vous avez un article mode tous les dimanches. Voilà, donc en gros, il y a 4 jours où vous pouvez me retrouver. Le mardi sur la collab, le mercredi et le vendredi sur ma chaîne et le dimanche sur mon blog. Or, ces jours-là, il peut y avoir aussi des vidéos exceptionnelles, etc. Mais là, comme je viens de le dire, ce serait exceptionnel. Concernant ma bannière, alors je vous ai dit il y a quelques temps que j'allais changer ma bannière sur ma chaîne au fil des saisons, des envies, etc. Donc, y aura une nouvelle bannière pour l'automne à partir de demain. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, je n'ai pas réellement eu de retour. Et au final, eh bien, ça me manque quand même beaucoup, même si c'est énormément de travail. Mais je voulais les reprendre. Et puis les précédents vous ont beaucoup plu. De quoi je parle? Je parle des daily vlogs. Donc pendant tout le mois d'octobre, je vous posterai des daily vlogs en plus de mes vidéos habituelles. Ce qui veut dire que vous aurez une vidéo de moi tous les jours. Voilà. Voilà, juste comme ça. Alors précision concernant mes daily vlogs, je ne vais rien faire d'extraordinaire, je vais juste, comme je l'ai fait au mois de juin, je crois, oui c'était au mois de juin, et je l'ai fait déjà l'année dernière au mois de décembre, donc je vais vous filmer mon quotidien, ça ne sera absolument rien de spectaculaire, hormis beaucoup beaucoup de montage vidéo, etc. Mais ça me manque les daily vlogs, ça manque de pouvoir partager avec vous, donc c'est pour ça que j'en fais du nouveau tout le mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween et je ne vais pas passer à côté de ça. Donc voilà, j'ai la voix qui commence à partir. D'avance, désolée. Ce n'est pas votre PC qui lâche, non, c'est ma voix. Donc pour Halloween, j'ai quelques idées de make-up, etc. Mais je voulais en fait vous mettre à contribution et vous demander ce que vous vouliez voir tout simplement pour Halloween. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, si il y avait des make-up spécifiques que vous vouliez que je fasse ou un thème que je traite, pourquoi pas, voilà, donnez-moi vraiment vos idées que je puisse les mettre en pratique. Tout simplement. Dernier point concernant ma chaîne perso, ça va être une nouvelle rubrique. Alors je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup beaucoup de vlogs. Et dans mes vlogs, j'avais incorporé des vidéos qui n'étaient pas des vlogs blabla, mais des sujets bien précis. Donc en fait, pour moi, hein, c'est vraiment personnel, pour moi les vlogs, c'est un petit peu vous emmener avec moi et discuter de tout et de rien. Alors que j'ai mis dans cette catégorie-là des vidéos qui ne traitaient que d'un sujet. Donc voilà, je voulais faire une rubrique, une playlist spécifique et ce sera une rubrique dans laquelle il y aura que des vlogs mais qui traiteront chacun d'un sujet bien précis. Voilà, elle sera mise en route en octobre aussi.
Concernant ma chaîne perso, c'est terminé au niveau des points de tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant par rapport à la collab, alors ben si vous n'êtes pas encore au courant, on a démarré une collab donc le 1er septembre. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, j'ai mis pas mal de temps à la mettre en route. Donc ça démarre tout doucement, on a passé le cap du premier mois, on est toujours là, donc c'est bon signe. Et donc ben, si tu n'es pas allé voir ce qu'on fait, je t'invite à aller découvrir ça, il y aura le lien en barre d'infos. Sinon, pour la collab, au mois d'octobre, il va y avoir deux nouveautés. Donc la première, c'est qu'on va mettre en place un live. Il y aura par la suite un live par mois. Donc au mois d'octobre, c'est moi qui m'y colle. Donc je ferai le live certainement le 17 octobre. C'est un samedi. Ce sera certainement en fin d'après-midi, début de soirée. Donc pour l'heure je ne sais absolument pas, je vous dirai ça. Pourquoi j'ai choisi ce jour-là? Tout simplement parce qu'il y aura les vacances scolaires, donc ça me permettra d'être un petit peu plus cool et d'avoir un peu plus de temps, puisqu'un live on peut pas le boucler en 5 minutes, c'est pas possible. Et ensuite parce que c'est la semaine qui précède une nouvelle rubrique, si je peux dire, sur la collab, ce sont les guests. Alors les guests c'est quoi? Ce sont des invités. On va, en plus des membres qui sont en place et de Sandra et Elise qui sont les remplaçantes, on a décidé une fois par mois d'inviter un youtubeur ou une youtubeuse sur notre chaîne pour qu'elle traite soit dans des sujets que nous allons traiter durant le mois, ou alors pour qu'elle traite d'un sujet totalement autre. Et donc pour le mois d'octobre, ce sera une femme qui va venir, une youtubeuse. Je n'en dis pas plus. Je garde le suspense et elle traitera d'un sujet tabou. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc soyez au rendez-vous pour le live. Donc c'est le 17 octobre. Je le redirai encore plusieurs fois de façon sur ma chaîne, sur la collab, etc. Mais n'oubliez pas de vous caler ce jour-là pour assister au live. Concernant ce live justement, je voulais savoir ce que vous vouliez voir durant ce live, si vous vouliez juste me poser des questions, qu'on échange comme ce que j'avais fait sur mon live sur ma chaîne perso, ou alors si vous vouliez que je fasse un tag bien précis. Donc dites-le moi aussi là en commentaire, que je puisse préparer ça. Voilà pour les points, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc ça a été quand même, j'espère que ça a été assez concis. Donc je récapitule, le premier point c'était les jours de parution. Donc habituellement vous me voyez le mardi sur la collab, le mercredi, le vendredi sur ma chaîne perso, et le dimanche vous avez un article mode sur mon blog. Mais tout le mois d'octobre il va y avoir des daily vlogs, donc vous allez avoir une vidéo de moi tous les jours. Oui, tous les jours vous allez pouvoir voir ma tête. Alors normalement je vais les poster le lendemain du jour où j'aurai filmé, à moins que j'ai un souci technique, mais sinon ce sera comme ça que je fonctionnerai. Je vous ai également parlé de ma bannière, donc elle arrive demain sur ma chaîne, hein. Ce sera la nouvelle bannière d'octobre, de l'automne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite je vous ai également demandé ce que vous vouliez voir sur ma chaîne pour Halloween, si vous aviez des make-up bien précis ou un thème que vous vouliez que je traite. Dans la mesure du possible je le ferai, si ça demande trop d'investissement au niveau matériel évidemment je ne le ferai pas, je pense que vous comprendrez pourquoi, mais si je peux je le ferai. En ce qui concerne Halloween, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je vais essayer de vous préparer quelque chose d'un petit peu spécial que je n'ai encore jamais fait, puisque j'ai revisionné mes vidéos d'Halloween et ce n'était que des make-up et c'était pas top. Donc là, j'aimerais vous faire quelque chose de beaucoup mieux. J'espère que ça vous plaira, mais je ne suis pas certaine de pouvoir encore le faire à temps, donc je n'en parle pas plus. Et je vous ai également parlé de la nouvelle rubrique, donc Si tu savais, qui arrivera sur ma chaîne et également du live. Donc voilà, un mois d'octobre très chargé. En gros au niveau des chiffres, ça va être, c'est un énorme challenge pour moi, puisque je vais avoir en tout 49 vidéos à tourner sur le mois. C'est énorme. Je n'ai pas encore fait ça jusqu'à présent. Quand je faisais des daily vlogs, je diminuais le rythme de mes vidéos habituelles, alors que là non, je vais cumuler mes daily vlogs avec mes vidéos deux fois par semaine, avec les vidéos de la collab, avec mes articles mode. Donc ça risque d'être assez intense, puisque sur les 49 vidéos il y aura normalement 45 articles
ce qui n'est pas rien non plus, sachant que il y a une petite nouveauté également, c'est que depuis un mois, ça y est, oui, c'est bon, j'ai démarré, ça s'est lancé, ça voilà, ça a bien débuté, je suis enfin rédactrice web. Donc en deux mots, je fonctionne avec le site TextBroker, qui est un site qui met en relation en fait des personnes qui aiment écrire, qui savent plus ou moins écrire, et des personnes, ce sont des entreprises, ce sont des blogueurs, ce sont des designers, peu importe, qui cherchent une personne en fait pour écrire un texte, alors un texte de blog, une publicité, des textes accrocheurs, voilà, beaucoup de choses, et voilà, donc là ça a démarré, donc il faut que je cumule les deux, donc là maintenant cette activité de rédactrice web plus mes chaînes, mes vidéos, etc. J'espère que j'arriverai à tout bidouiller. Sinon, qu'est-ce qui se passera ce mois-ci? Ce mois-ci aussi, il y a l'anniversaire de mon fils. C'est le 10, donc je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. On avait prévu quelque chose, mais ça tombe un petit peu à l'eau. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous filmerai ça ou pas, puisque c'est quand même assez personnel et je ne veux pas mettre mon fils trop en avant. Vous le savez, je l'ai déjà assez dit. Donc voilà, plein de choses, et petite exclu, oui, encore une, sur ma chaîne, il y aura un tag qui va arriver très prochainement, un tag que j'ai créé, qui va sûrement faire beaucoup parler s'il tourne pas mal, puisque ça va être par rapport à tout ce qui se passe sur YouTube, et surtout ce qu'on ne vous dit pas, ce que vous croyez sur par rapport à YouTube, et la réalité, et voilà, je n'en dis pas plus. Je m'arrête là parce que ma voix commence réellement à partir. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez, pour les commentaires, pour les partages, et à la minute là où je vous parle, je vous fais 359 bisous pour les 359 abonnés que j'ai. Encore merci, et n'oubliez pas de vous abonner à la collab. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.